Finalement, domestique, je n'aimais pas trop. Du coup, j'ai trouvé cette place de maître d'hôtel dans ce restaurant. Ah, vous voilà. Fraîchement débarqué, ce sera charmant et le souper sera formidable. Mais permettez-moi d'abord de vous rappeler quelques consignes élémentaires. Musique. Avant toute chose, il faut être mystérieux et réservé, c'est réservé. Jamais l'air de connaître ces messieurs quand vous les servez, vous les servez, vous les servez. Si parfois s'ouvre une actrice, un homme gravissime se glisse. N'insiste pas, n'insiste pas, sans frapper, partez au plus vite, et quand vous deviendrez ensuite, fermez les yeux, ne jetons pas les amoureux, ne jetons pas les amoureux. Fermons les yeux. Fermons.
Joseph. Chut. Il me faudrait un cabinet. Un cabinet pour moi tout seul, parce que j'attends... une personne. Oh, pour vous tout seul. À deux alors. Fermons les yeux. Oh, madame. Je vous en prie, baron. Débarrassez-moi. Oh, avec plaisir. Garçon. Joseph. Chut. Tout à l'heure, une dame viendra me demander. Dès qu'elle sera là, vous m'avertirez. J'ai compris. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Oh, mettez-la. Laissez-moi, je vous prie. Mais qu'est-ce que vous savez? Je viens de rencontrer un jeune homme. Un jeune homme? Ah, je vous ai fâché? Non, mais... Vous êtes surpris? Bah, un peu. Je venais à vous, je peux le dire, avec des trésors de tendresse pleins de cœur. Et puis, dès le premier mot, vous me cassez bras et jambes. Oh, vous en entendrez bien d'autres. Vraiment? Nous sommes dans le restaurant à la mode, mon cher. Et minuit vient de sonner. Thank you.
manuser. Qu'est-ce que c'est ? Cette réponse mettez-la. Vous n'avez pas oublié que vous avez une réponse à me donner. La réponse à la lettre du baron de Frascata. Oui, vous savez. Je sais, je sais. Eh bien, mon ami, cette réponse... C'est oui ? Non, c'est non. Non ? Oui ? Oui ! Je veux dire oui, c'est non. Bref, la réponse, c'est non. Oh, mais ce n'est pas possible. Écoutez, mon ami, ce que vous voulez de moi, c'est mon cœur. Ouais, pas du tout. Je veux dire oui. Eh bien, pour le moment, mon cœur est pris. Je suis éperdument amoureuse. Madame, c'est la dame, elle est en bas. Je vous ai préparé une petite surprise. J'ai amené une amie. Une amie ? Selon vous, j'ai la tête du monsieur à qui on repasse les amis. Oh, baron. Oh, Frascata me l'avait bien dit. N'était-ce cette camaille refiler les amis, ici. Taisez-vous, la voici. Une amie. Une amie. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai fait venir? Ah oui, je comprends. Et je ne sais comment vous en remercier. Hier, vous m'avertissiez du guet-apens dans lequel monsieur de garde-feu voulait me faire tomber. Et aujourd'hui, ne me remerciez pas. Tout ce que j'ai fait, c'est un peu pour moi que je l'ai fait. Baron, je vous laisse. Comment ? Mais je vais retrouver le jeune homme dont je vous parlais tout à l'heure. Le jeune homme ? Oui. Raoul, de garde-feu. Raoul, de garde-feu. Oh, il faut en finir. Vous partez ! Je reviens. À nous deux, monsieur de garde-feu. Joseph ! Joseph ! Courez après mon mari, ramenez-le ! C'était votre mari ? Pauvre femme. Mais courez ! Pas la peine, il va revenir, vous n'avez qu'à l'attendre. Où ça, l'attendre ? Par ici. Autrefois innocente, et qui pour moi, renonce à vingt ans de vertu. Vendre des gants au Brésilien. C'est mon état de la gantière, quelle couleur de Brésilien. Sans de bave charmante gantière, lui riposta le Brésilien. Votre mari dit le gantière. La voici dit le Brésilien. Votre mari dit la gantière. La voici dit le Brésilien. Et dans la main de la gantière, tremblez la main du Brésilien. Et dans la main de la gantière, tremblez la main du Brésilien. Que la gantière ont attiré le Brésilien. Partez-y, criez la gantière, partez-y, séduisant Brésilien. Tu es donc cruel, la gantière, tu es la mort du Brésilien. Un sourire de la gantière ressuscita le Brésilien. Un sourire de la gantière ressuscita le Brésilien. Et voilà comment la gantière sauve les jeux du Brésilien. Et voilà comment la gantière sauve le Brésilien. De garde-feu.
avons un compte à régler ensemble. Monsieur, je suis à vos ordres. Monsieur. On va se battre. N'ayez pas peur. Sortez, laissez-nous arranger cette petite affaire. À tout à l'heure, charmante Gantière. À tout à l'heure, beau Brésilien. Je suis étranger, monsieur. Vous l'êtes aussi. Il est sweet. Oserais-je alors, en qualité de compatriote, vous prier de m'assister? Avec plaisir. Commençons alors. Commençons. Il y a une idée. Nous éteignons tout dans ces cabinets. Bien. Et nous y laissons ces deux messieurs, tout seuls chacun, avec un petit couteau comme ceci. Oh! Très bien, cela. Nous nous en allons. Oh! Nous fermons les portes. Oh! Nous allons souper gaiement. Et demain matin, avant de partir, nous allons constater les résultats. Pas mal du tout. Cela vous va-t-il? Ça n'a pas l'air de leur aller. Autre chose alors. Oui, oui, autre chose. Voyons d'abord, qui est-ce qui se plaint? C'est moi. Et de quoi vous plaignez-vous? Mais oui, de quoi? Répondez, de quoi vous plaignez-vous? Je vais vous le dire. Je me plains de la farce qui m'a été jouée par monsieur. Précisez la farce. Oh, vous dites préciser. Voulez-vous préciser, oui ou non? Je vais préciser. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé monsieur à la gare. Monsieur s'est fait passer pour un guide et m'a amené chez lui. Y étiez-vous mal chez lui? Ah non, j'y étais très bien. N'en parlez plus alors, et continuez. Continuez. Ce monsieur m'a fait croire que j'étais invité dans le grand monde et m'a envoyé chez monsieur. Non, mais dites tout de suite que vous vous y êtes ennuyé chez moi. Bah, je ne peux pas dire ça. D'abord, parce que ça ne serait pas poli. Et puis, parce que ça ne serait pas vrai. Vous vous êtes donc amusé. Comme un fou. De quoi vous plaignez-vous alors? Ah, c'est vrai au fait, puisque je me suis amusé. Non, vraiment, c'est trop. Mon ami vous trouve à la gare, il se dit, voilà un malheureux étranger qu'on va berner, voler, piller. Il vous amène chez lui, il vous loge, il vous fait faire ma connaissance. Et vous vous plaignez? Est-ce que le champagne n'était pas bon? Ah, si, très bon. Et madame l'amiral, hein? Madame l'amiral. Oh, madame l'amiral. Très bonne aussi, mais madame l'amiral. Ah, c'est vrai. En examinant bien la chose, je ne vois pas du tout de quoi je pourrais me plaindre. Tout est arrangé, alors. Il n'y a plus qu'à leur donner des petits couteaux. Vous ne vous battrez pas. Vous ici, baronne. Mais oui, vous savez bien. L'ami. Pardonnez-moi. Oui, mais rentrons à Stockholm. Vous comprenez maintenant tout ce que j'ai fait. Et vous l'avez fait parce que vous m'aimiez? Sans doute. Ah, mettez-la. Dites donc, mettez-la. Il me vient une idée. Laquelle? Celle de me remettre à vous aimer. Excellente idée. Mettez-la. Eh bien, il n'y a plus qu'à leur donner des petits couteaux. Et puisqu'on vous dit que tout est arrangé, allons souper alors. Nous brouillons du champagne pendant toute la nuit. Bouffons et chantons. Personnages ne sont pas comme nous.
sans ça.